Merci Pierre d'être venu passer le broyeur. Ça change. Ça commençait à être un peu la forêt là. On voit bien tous les petits arbres du coup du verger. J'ai toujours du mal à m'imaginer que tous les matériaux là, qui seront détaillés au fur et à mesure de leur utilisation, ils vont aller chez moi là, dans la maison. Que tout ça va rentrer là-bas. Il devait être bloqué dedans. Il a peur, il fait caca. Si c'est un bébé ou s'il est blessé, mais il n'arrive pas à voler, il part de travers. J'ai éloigné des obstacles pour que sa queue est toute tordue. Il n'est pas très malin. Je l'ai loupé, il s'est presque envolé. Il est tombé par ici. Et voilà. C'est bien, continue. Allez, prends ton envol là-dessus. Allez, allez. Ah, presque. Allez, je vais t'aider. Allez, allez. Ah oui, t'es plein de poussière. Oui, c'est bien, allez. Il dort sur ma main.
Il reprend des forces après son dernier vol. Il a réussi à s'envoler sur le toit. Bon, c'était clairement un jeune. Il vole de mieux en mieux. Maintenant, il est sur un bon perchoir et je pense que ça va l'aider pour décoller. Ouais, je mets ces bouts de bois pour éviter que ça bombe un peu trop. Comme ça, je serai plus tranquille au moment de mettre le pare-vapeur. Bon, c'est cool, ça va vraiment quand même beaucoup plus vite à poser. Tout simplement parce qu'il n'y a pas presque pas de découpe. Donc là, la pose, elle est triplement croisée. Donc ça va vraiment être pas mal. Je pense que la couverture thermique sera très bonne. Ça reste un peu plus physique par contre.